Venise. Est-il un nom dans les langues humaines qui ait fait rêver plus que celui-là? Il est joli, d'ailleurs, sonore et doux. Il évoque d'un seul coup dans l'esprit un éclatant défilé de souvenirs magnifiques et tout un horizon de songes enchanteurs. Nous entrons en gare. Des gondoles attendent le long du quai. Celle-ci, longue, mince et noire, dressant les pointes de ses extrémités et portant à l'avant une proue étrange en acier luisant. Un homme, debout derrière les voyageurs, la gouverne avec une seule rame que porte et soutient une sorte de bras en bois tordu fixé sur le bord droit de l'embarcation. Elle a un air coquet et sévère, amoureux et guerrier, et elle berce d'une façon délicieuse le promeneur étendu sur une sorte de chaise longue. La douceur de ce siège, le balancement exquis de ces barques, leur allure vive et calme, nous donne une inattendue et adorable sensation. On ne fait rien et on va. On se repose et on voit. On est caressé par ce mouvement, caressé dans l'esprit et dans la chair, pénétré par une subite et continue jouissance physique et par un profond bien-être de l'âme. Quand il pleut, on a juste au milieu de ces embarcations une petite chambre en bois sculpté, ornée de cuivre et couverte de drap noir. Les gondoles alors glissent, impénétrables, sombres et closes, cercueils flottants vêtus de crêpes. Elles semblent porter des mystères de mort ou d'amour. Et elles montrent parfois une jolie figure de femme derrière leur étroite fenêtre. Nous descendons le grand canal. On est surpris d'abord par l'aspect de cette ville dont les rues sont des rivières. Pour ceux qui, comme moi, n'appartiennent pas à la race des lève-tôt, l'écriture ayant partie liée avec la nuit, le marché du Rialto s'offre rarement dans sa verdeur et son abondance du point du jour. C'est alors qu'il faut venir sur les quais, quand la lumière est jeune, et que la cité perlière s'élève, bille de cristal, sur le jet d'eau de ses reflets. Mais aujourd'hui, il est déjà midi quand j'emprunte le dédale des ruelles du Rialto. Une fois la rampe du pont dévalée d'un pied léger, je m'engage avec délice dans ce souk animé qui fut jadis le quartier financier de Venise, le Wall Street de la Renaissance, où l'on brassait l'or à la pelle, de quoi acquérir l'univers entier. Quel soleil glorieux!
La gloire est chose quotidienne à Venise. On l'éprouve sans y prendre garde. Je me faufile entre les groupes bariolés de touristes, occupés à essayer des chapeaux de paille et des t-shirts proclamant en lettres rouges « I love Venise ». Autrefois, on exposait ici même pierres précieuses et bijoux d'or fauve filigranés avec art dans ces minuscules boutiques où se débitent désormais d'incroyables pacotilles importées d'Asie. J'avance dans le tohu-bohu des siècles accumulés, pétrifié sous forme de façade. Et c'est un tel enchantement de se trouver là que j'éprouve une faim à dévorer Venise. Poivre, safran, gingembre, clou de girofle, muscade, cardamome. Du temps où elle était l'épicerie du monde, Venise a conservé, concentré en une pincée de magasins demeurés fidèles aux traditions, la tenace mélodie de fragrances voluptueuses qui monte à la tête du voyageur, l'entraînant vers des au-delà de l'odorat, aux lisières de saveurs inouïes. L'Inde commence au Rialto. Dans les cavernes d'Ali Baba, où le poivre noir de Java se berce sur des balances de cuivre, près d'entassements de curry, bétel, cumin et cannelle. Je me faufile d'un pas léger d'enfant buissonnier dans ces cryptes aromatiques. Ébloui, dès qu'un rayon de soleil, sinueux tel un serpent nagea, met le feu aux lourds bocaux couleur de foudre, de mangue et de miel. Cela convoque l'éléphant, le lotus et le baume du tigre. On sent frémir le Gange et s'enneiger l'Himalaya. Je respire. Je souris. Et le commerçant nonchalant répond à mon sourire, sans s'étonner de ma longue station parmi ces grains, ces herbes, ces écorces délicatement râpées dans des plateaux de cornes. Ici, l'univers, pâte travaillée par le levain des dieux, lève, s'épanouit et se dort dans le fumet du genièvre et l'hymne de l'olive. La sœur tourière passa la tête à la porte avec méfiance. Mais la joie transfigura son visage quand elle reconnut le rouquin. « Oh, divine surprise, maître Vivaldi !» Les gonds du portillon grincèrent et maître Vivaldi pénétra dans l'ospedale della Pietà plongé dans les ténèbres. Divine surprise, répétait la sœur en allumant les lumières de la grande salle de musique lorsque 2, 5, 10, 20 silhouettes claires surgirent de l'ombre de droite et de la pénombre de gauche, entourant l'habit du prêtre Antonio Vivaldi des gracieuses blancheurs de leur peignoir en toile de Hollande.
de leurs robes de chambre, de leurs chemises de nuit et bonnets de dentelle. Et d'autres arrivaient, d'autres encore, somnolentes et alanguies, mais bientôt piaillantes et réjouies, tournant autour du visiteur nocturne. Et d'autres venaient, d'autres encore, les cheveux parfumés, des fleurs dans le décolleté, en pantoufles brodées, jusqu'à ce que la nef se fût remplie de visages jeunes, riants, le regard brillant de surprise. Le maître, ainsi l'appelait-elle toute, faisait les présentations. Pierina del violino, Catarina del cornetto, Bettina della viola, Bianca Maria organista, Margherita dell'arpa doppia, Giuseppina del chitarrone, Claudia del flautino, Lucetta della tromba. Et peu à peu, comme elles étaient 70, et que le maître Antonio Vivaldi, ayant trop bu, confondait les orphelines les unes avec les autres, les noms de ces dernières se réduisirent à celui de l'instrument qu'elles jouaient. Comme si les jeunes filles n'avaient de personnalité ni de vie propre que par leur place dans l'orchestre. Il les désignait du doigt. Clavicembalo, viola da braccio, clarino, oboe, basso di gamba, flauto, organo di legno, regale, violino alla francese, tromba marina, trombone. Le maître Vivaldi monta sur le podium, saisit un violon, leva l'archet et, en deux gestes énergiques, déchaîna le plus extraordinaire concerto grosso qu'aient jamais entendu les siècles.